Bien, salut à tous les amis, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Land of Italy. On se retrouve pour l'épisode 13, si je vous dis pas de bêtises. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vous avais parlé dans l'épisode précédent que par tous les moyens, j'avais essayé de d'ensiler l'herbe, tout simplement pour faire, pour ensiler à la machine et vider dans les remorques, pour faire un petit peu différemment de d'habitude, hein, on va dire. Attendez, il faut juste que je fasse un truc là. Hop. Non, bah ça, je m'en doutais. Je modifie un peu le S-limiteur. Vas-y, replie-le. Voilà. Hop. Parce que là, on n'avance pas avec ce S-limiteur là. Alors, attendez voir. Voilà, comme ça, c'est parfait. Donc oui, je disais, je voulais à tout prix ensiler l'herbe pour changer un petit peu de nos techniques de d'habitude. Alors, deux problèmes se posaient. Premier problème, je l'ai fait avec la Jaguar 980 avec le pick-up de Sotillo Modigne. Donc ça marchait, mais je vous assure, je faisais 10 mètres, je remplissais 40 tonnes. Bon, je me suis dit, c'est peut-être la machine qui déconne. Alors j'ai une John Deere, une ensileuse, j'ai dit, je vais essayer avec, pour voir. Rebelote, pareil. Alors pourquoi, je sais pas. Donc c'est pour ça que je vais quand même ramasser à l'autochargeuse pour tout simplement voir si ça se remplit aussi vite. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, j'ai désactivé le soil mode. J'ai désactivé le soil mode pour être tranquille. Donc voilà pourquoi du coup, je vais moissonner juste là à côté là. Et maintenant, ça se remplit 15 fois plus vite comparé à avant. J'ai viré le soil mode parce que ça m'a vraiment pris la tête. Donc voilà pour la petite info avec ce soil mode. Hop. Ensuite, j'ai refait un petit peu le bilan, j'ai viré un petit peu du matériel, hein. J'ai viré un petit peu du matériel, etc., etc. J'ai également regardé où on en était niveau paille et niveau herbe. Donc niveau paille, on en a beaucoup, niveau herbe, on est pas mal du tout. Donc c'est pour ça que maintenant, je pense que là, on va terminer dans cet épisode et dans le prochain, sûrement peut-être nos deux champs, parce qu'on a encore l'autre là-bas à faucher. Donc dans cet épisode, on va essayer de se finir celui-là tranquillement et peut-être même voir pour finir l'autre, comme ça on sera tranquille. Et dans le prochain épisode, on va commencer à chercher du matériel pour les cochons. Donc on mettra du matériel là-bas, sur place, on en laissera un petit peu là-bas, comme ça on sera tranquille. Et on fera pareil pour les veaux. Donc après, je sais pas encore comment je vais faire. Je me disais, est-ce que, comme là-bas, je crois pas que chez les veaux et chez les cochons, il y a tout simplement du stockage pour paille. Je sais plus, franchement. Si j'y pense, on prendra la Mercedes après, on ira vite faire un tour histoire de voir. Et puis, en fonction de ça, si jamais il y en a pas, bah, ce qu'on fera, on fera un petit peu de chargement de paille et d'herbe. Et on en foutra par terre avec l'alternative tipping pour tout simplement en avoir sur place en stock pour pouvoir les nourrir. Comme ça, on va pouvoir s'attaquer aux cochons. Comme ça, on fera des cochons, on fera nos vaches. Et ensuite, on s'attaquera aux veaux. Alors, je sais pas si je fais les veaux d'abord ou les cochons. On verra, hein, tout simplement. Mais de toute façon, on fera, comme je vous ai dit, on fera tous les animaux sauf les moutons. Parce que je trouve ça inutile, les moutons. Enfin, peut-être qu'on en fera, ça dépend. Mais comme je vous ai déjà dit, dans cette carrière-là, je vais vraiment faire. Je vais vraiment essayer de tout faire. C'est-à-dire les animaux, de faire ça bien, etc., etc. Et du coup, là, le fait de faire ça, de faire pas mal de foin, ça permettra d'en avoir en rab, tout simplement. D'en avoir beaucoup en stock pour nourrir les animaux. Et puis après, on sera plus trop obligé d'en faire. Parce que maintenant, je pense, je vais voir. Parce qu'à la base, je me suis dit, vu qu'on est céréalier, je vais pas faire de betteraves et de patates. Mais du coup, je me dis que ce serait plus intéressant d'en faire. Parce que tout simplement ça permet de diversifier un petit peu les choses. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant on va voir comment on va faire. Mais de toute façon, ce qu'on va faire sur cette carrière dans Land of Italy, on va vraiment faire pas mal de choses. Parce que moi j'ai jamais. Enfin, pour le moment, j'ai pas de problème avec. J'ai 28 heures de jeu, je crois, dessus. On en est à l'épisode 13. J'ai vraiment pas de soucis. Moi je trouve qu'on est bien avancé dedans. Donc ça c'est intéressant aussi. Après, pour la ferme des anciens, ben ça va reprendre, hein, parce qu'aujourd'hui, vu que ma femme n'est pas là cet après-midi, je vais en profiter pour tourner pas mal. Là, je tourne ce matin, parce qu'en fait, ce que j'essaie de faire, c'est
Avant de tourner, je lance la partie, je regarde où j'en étais, ce que j'ai à faire, etc. Je me fais un programme. Du style, juste avant de tourner, ben, j'ai testé avec les ensileuses. Et c'est pour ça que tout simplement, là, je suis arrivé à un stade où je voulais plus faire, où je pouvais plus rien faire hors caméra, parce que sinon ça aurait été idiot. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à capturer. Donc la ferme des anciens, j'ai retrouvé ma fameuse moissonneuse que je ne trouvais plus. Vous avez déjà dû la voir, la femme. De toute façon, vous la verrez sur la ferme des anciens, je vous en reparlerai. Donc je suis super content, j'ai réussi à la retrouver, tout simplement. Ensuite, donc ça, je vais tourner aussi la ferme des anciens. Bêtement, la forêt, travaux paysagers, c'est exactement pareil. Hein. Je vais retourner ça tout à l'heure, tranquillement. J'ai de super projets pour cette carrière-là, et j'ai vu qu'elle vous plaisait vraiment beaucoup. Alors c'est pour ça que... Et ben qu'on va en profiter. On va vraiment se faire un truc sympathique. Un truc vraiment cool. Et je pense que ça va vraiment vous plaire parce que j'ai vraiment pensé à tellement de trucs. Quand on va commencer à les réaliser, ça va vraiment être sympa, je trouve. Et là, vous verrez sur Bêtement, j'ai placé un bâtiment. Enfin, je vous en dis pas plus, mais vous verrez que je me suis vraiment. J'ai vraiment fait pas mal de trucs. J'ai vendu tout le matériel que j'avais en agricole dessus. Parce que ça va vraiment être la carrière paysager. Tout simplement. Bon. Alors, ça, c'est fait. Hop. On l'arrête. Alors, attendez voir. Je t'envoie un œil. L'autre là-bas, elle s'est plantée. Donc, on va juste en profiter pour vider la batteuse. Et après, on la laisse se débrouiller. J'aurais dû faire encore une tournière. Vraiment fait chier, je pense. Hop, péda. Voilà. Ah, ces putains de poteaux là. Ils nous font chier jusqu'au bout. Puis après, on va sauter dans l'autochargeuse. Puis on va attaquer de ramasser. Comme ça, on aura déjà fini un champ à 100%, donc ça sera pas mal. Alors j'ai pris cette remorque. Alors en fait, ce que j'essaie de faire pour éviter d'avoir trop de matériel, quand je trouve d'autres modes tout simplement qui me plaisent, et eh ben ce que je fais, j'en achète, donc des autres remorques ou tout ça, et j'en vends. C'est des trucs que j'avais avant, je les vire pour pas avoir 50 remorques, etc. Donc c'est pour ça que je fais ça comme ça. Alors ça va être pas mal. Du coup, ce que j'ai pensé à faire, c'est que quand on aura les cochons, donc par exemple pour les cochons, on mettra un petit tracteur avec un chargeur et un godet pour pouvoir curer, etc., etc. On mettra également une mélangeuse, hein, voilà, tout simplement une mélangeuse. Enfin, on fera ce qu'il faut, on mettra ce qu'il faut. En fait, on doublera un petit peu le matériel, mais on le laissera sur place, mais on n'en mettra pas non plus des centaines. Tu démarres. Ah voilà. On n'en mettra pas non plus des centaines, hein, ça de toute façon. Hop, H. Voilà, parfait. Donc, retournons du style là par exemple. La benne maître, là, la BM100, celle-là, ben, elle partira chez les cochons par exemple. Et je m'en servirai pour transférer du fumier à la grosse fumière ou peu importe. On verra déjà. Celui-là. Où est-ce qu'il est? Bah, ce qu'on va faire, on va peut-être faucher un petit peu. Non, il démarre pas. Ah si, il a démarré. Mais arrête de reculer, toi. Voilà. Et niveau 3, c'est celui-là. Ah, mais celle-là n'est pas dépliée. Voilà. C'est parti. Donc on va faucher encore un petit peu. Et puis ensuite ce qu'on va faire, on va ramasser. Je pense l'autre champ ou. Parce que ramasser avec l'autochargeuse, ça va quand même assez vite. Hein. Le plus long c'est de faucher dans des nez, mais comme vous avez pu voir, j'ai mis une faucheuse quand même à l'avant pour que ça prenne un peu plus large. Hein. Je me suis dit que tout simplement ça permettrait de perdre un peu moins de temps. Donc ça c'est fait. Donc là on avance, nickel. Après, l'avantage qu'on aura après, c'est qu'on aura plus besoin de faire tellement de d'herbe et tout ça parce qu'on en aura quand même beaucoup hein. Ça c'est vraiment le gros avantage
Peut-être après, on va voir comment on va faire, parce que je crois que pas loin des cochons, il y a aussi un bon champ de... enfin, pas d'ensilage d'herbe, si je dis pas de bêtises. Donc on verra comment on se débrouillera. Mais en fonction de ça, on le fauchera peut-être juste pour eux, ou je sais pas encore. On verra déjà. S'il y a du stockage, s'il y a de la place pour stocker, on stockera là-bas. Sinon, ben, on fera des chargements tout simplement. On chargera de notre stockage qui est donc là-bas. Et on emmènera là-bas tout simplement. Comme ça permettra aussi que vous voyez un petit peu de transport. Que c'est vrai que le transport, on n'a pas trop tendance à en faire. Ça, je le reconnais. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Voilà. Nickel. On va se mettre en vue intérieure. Mettre un petit peu les lumières parce que je trouve il fait 13h, il est 13h09, mais je trouve il fait sombre là où c'est moi. En la promettant, les lumières elles éclairent bien, donc c'est qu'il doit quand même faire sombre. Mais bon, après, c'est pas grave, on fait avec. On fait avec. Alors attendez voir, je voulais encore vous parler d'un truc. Oui, donc par rapport à... Oui, voilà, j'ai trouvé. Par rapport à la limousine, c'est vrai que je l'ai mis sur le serveur, que j'ai une fois joué dessus avec Jeannot. Ça allait encore. Mais il y a un mais, c'est que je pense que je vais être obligé de... Je pense pas la faire sur serveur. Je voulais vraiment la faire. Mais bon, après... Si c'est pour proposer, parce que bon, pour l'instant on n'a pas grand-chose niveau matériel, donc ça va, ça c'est jouable. Mais quand on commencera à avoir de l'équipement, ça sera pareil, ça va se mettre à laguer, etc. Et ça va être pire que ce que ce n'est déjà, que ce que c'est déjà. Et sachant que c'est une map qui est quand même relativement assez sensible et puis qui a tendance vite à laguer pour pas grand-chose, c'est pour ça que, on va dire que j'hésite un petit peu à commencer quelque chose parce que ça me ferait chier de commencer. Pour que tout simplement je dois arrêter après quoi. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu frustrant pour vous et puis pour nous aussi. Parce que quand on prend notre plaisir par exemple sur une map et puis qu'après on se rend compte qu'on n'arrive plus à jouer dessus, ça nous fait aussi chier de se dire oh merde, on est obligé de la laisser tomber. Donc c'est pour ça qu'on va voir. Parce que je crois que Célian lui il l'a essayé, il lag aussi pas mal dessus. Bah, de toute façon tout le monde lag dessus, comme ça c'est réglé. Donc Ah, la question que je voulais vous poser par rapport à cette ferme limousine. Quand j'ai publié donc ma présentation de la ferme limousine, je vous ai donc mis le lien de la version low. Et beaucoup de personnes m'ont dit ah, merci pour le lien de la version low. Donc moi la question que je voulais vous poser, donc dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui ont téléchargé les deux versions, parce que je pense qu'il y en a qui ont téléchargé les deux versions. Dites-moi vraiment qu'est-ce qui change vraiment sur la version low? Est-ce que ça lag? Est-ce que ça lag pas? Est-ce qu'ils ont, je sais pas moi comment elle est faite, ils ont enlevé peut-être pas mal d'arbres, ce genre de trucs là. Donc n'hésitez pas à me dire si elle lag pas la version low. Ça, je suis curieux de savoir. Parce que de toute façon, si vous me dites ouais, franchement, ça vaut le coup, télécharge là, tu verras, tu lag pas du tout et tout. Et bah là, je me poserai même pas la question, je pense que je la téléchargerai et je l'essayerai. Mais si on me dit ouais, c'est quand même pareil, on lag et tout, bah oula. Bah je ne m'emmerderai même pas à la télécharger, quoi, je trouverais ça un petit peu bête. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous laguez, si vous tournez bien, etc. etc. Ok, là on est pas mal. On est pas mal du tout. Ok, donc là le champ... Oh, il avance bien. On va finir de le faucher. Ça va le faire. Alors là, il y a deux voitures. Non, mais allô, quoi. Il y a deux voitures. Regardez-moi ça, franchement. Il y a deux Jackie de la route, quoi. Putain. On en voit, franchement, des fois. Les deux cons, ils sont en face, ils se regardent, mais il n'y en a pas un qui bougerait, quoi. Et après, ils vont despawn. Après, ils vont disparaître, ils vont réapparaître un peu plus loin. Putain. Ah, mais des fois, je vous assure qu'on rigole, hein. On rigole sur farming par moment. Mais bon, hop, c'est comme ça. Donc oui, là je vais de nouveau être plus actif, comme j'ai dit hier, parce que hier avec l'équipe on a fait une petite vidéo sur la haie des Newtons, tranquille. Donc c'est vrai que je suis désolé, sur la haie des Newtons on ramassait, et puis là sur celle-là on ramasse aussi. Mais bon, je suis désolé, hein, et quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Il faut... Quand il faut faire ça, ben on fait ça, et puis c'est tout, hein. Je peux pas faire autrement. Il nous faut de l'herbe sur Land of Italy, donc on en fait. Hein. Mais bon, comme dit, après, on n'en fera plus pendant belle lurette. Et puis de toute façon, quand il en faudra de nouveau, on fauchera ensemble, par exemple.
Et puis le reste, je ferai moi-même pour que vous ayez pas besoin de le voir. Pour que vous ayez tout simplement pas besoin de le voir. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, donc ces prochains temps, vous allez continuer d'avoir des vidéos de farming, hein, que ce soit en carrière solo, en carrière multi, etc., etc. Vous aurez peut-être plus de solo que de multi, parce que comme dit, ces derniers temps, c'est pas évident de rassembler la team, hein, parce que bon, ils ont des horaires un peu tordus. Mais bon, après, c'est pas grave. Donc c'est vrai que cette semaine, il n'y a pas eu l'exploitation française avec JD. Parce qu'à la base, lui ne pouvait pas tourner vendredi. On devait peut-être le faire samedi. Mais moi, samedi, je me suis retrouvé. J'étais juste avec Célian. Alors je lui ai dit, écoute, franchement, de tourner juste à deux, ça sera un peu. Ça serait un peu mou. Ça serait un petit peu dommage, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il m'a dit, ouais, pas de problème. On tournera une autre fois. Je voulais tourner dimanche. Mais du coup, c'est moi qui étais en retard. Donc c'est pas grave. Donc je pense que la semaine prochaine, la française retournera. On retournera sur la française. Hein. Donc là, il n'y aura pas de problème. On fera en sorte d'être minimum à 4 de notre côté pour qu'on, ouais, pour que ça soit plus amusant, hein, pour qu'il y ait plus de choses à faire tout simplement. Donc on fera en sorte d'être plus, comme ça on sera tranquille. Après, donc ça je vous ai parlé un petit peu de l'exploitation française. Je sais pas pourquoi je veux toujours dire l'ardennaise, mais c'est la française, maintenant il faut que je m'y fasse. Oui, ce que je voulais encore vous dire, c'est que ces prochains temps il y aura de nouveau pas mal de jeux que je vais publier sur ma chaîne. Déjà, ce qui va être sûr, c'est qu'il va y avoir du The Forest. Alors là, je vous le dis tout de suite parce que il y a eu pas mal de bonnes petites mises à jour dessus. De toute façon, tous les 15 jours, il y a des mises à jour. Et moi, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu nouveau ce qui a changé, tout simplement. Et j'ai une petite idée que je vous parlerai au moment où je jouerai dessus, qui serait sympathique à faire. Je vais voir. De toute façon, The Forest, j'ai vraiment hâte que le multi il arrive, parce que franchement, ça va vraiment être exceptionnel quand il y aura du multijoueur là-dessus. Avec Célian, on s'est déjà imaginé de ces trucs sur The Forest, pardon. Mais franchement dit, ça va être énorme. Il y aura un nouveau du The Forest. Il va y avoir du Euro Truck de nouveau. Je vais reprendre le TS2, parce que c'est vrai qu'il y a une période où j'étais vraiment gonflé d'Euro Truck. Ça m'avait littéralement fait chier, je vous le dis franchement. Hein. C'est comme Célian hier sur la Haie des Nutons, il a dit qu'il a eu sa dose de farming. Bon voilà, ça arrive à tout le monde d'être saoulé d'un jeu. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir nouveau du Euro Truck sur deux maps. Il y aura, bon je vous dirai pas, je vous découvrirai par vous-même tout simplement. Attends là, on va faire le tour, on va pas se faire chier. Il y aura nouveau du Euro Truck. Je vais de nouveau faire quelques vidéos sur LCPDFR parce que la dernière fois j'avais envie d'y jouer. Alors je me suis dit on va se faire ça en vidéo tranquille peinard. Qu'est-ce qu'il va encore y avoir? Il y aura peut-être de temps en temps des petites vidéos détente avec Célian sur Borderlands. Mais ça sera plus rare, hein. Ça sera vraiment une par mois, de temps en temps, une petite vidéo détente. Tranquille peinard. Après, enfin, je peux pas vous dire tout ce que je vais sortir, mais il y aura pas mal de vidéos, ça c'est ce que je peux vous dire, d'autres jeux un petit peu. Histoire de changer un petit peu de la routine, et puis... De toute façon, ça, la plupart des jeux auxquels je joue restent quand même dans la simulation, donc c'est quand même, ça reste quand même intéressant pour mon concept de ma propre chaîne, c'est-à-dire où moi j'ai toujours fait de la simulation. Depuis le début, j'ai jamais fait de multigaming, je voulais en faire à la base, mais c'est vrai que ça m'a passé, parce que faire du multigaming c'est un peu plus chiant, ne serait-ce que si tu fais par exemple du Far Cry 3, t'as une certaine mission où t'as de la musique de Skrillex, je crois. Alors après, ça devient vite compliqué pour les droits d'auteur, etc. Alors moi, je me suis dit non, 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 j'ai pas envie de commencer à m'emmerder avec ça. Je me suis dit, je vais rester dans la simulation, mais je vais pas que rester dans la simulation agricole. Je vais ouvrir un grand rayon de simulation, en fait. Et comme ça, ça permet aux gens de découvrir des jeux. Je pense que je vais faire plus de découvertes de jeux aussi, qui restent de toute façon dans la simulation. De toute façon, il y a un jeu que je vais faire une découverte dessus, et je pense même faire des épisodes dessus, et je pense que j'y tiens. C'est Forza Horizon 2 qui sort le 3, moi je suis un fanatique de Forza, et je pense que là-dessus je ferai une découverte du jeu, ça c'est clair et net. Ah bah ça tombe bien, on a fini. Et je pense même que je ferai peut-être une petite... pourquoi pas une petite carrière, ça dépend, ça peut être sympa parce que ça reste de la simulation de conduite quand même. Bon, c'est un petit peu arcade, on est tous d'accord, mais pour moi ça reste quand même intéressant ce genre de jeu.
Ah merde, alors attends. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je pense que je vais vous proposer ce jeu. Ça changera un petit peu de la normale. Et puis parce que moi j'en ai envie, donc voilà. Ok. Voilà. Ça c'est fait. Nickel Chrome. Donc le New Holland. On va le mettre sous le hangar en attendant. Voilà. Parfait. On va le ranger sous le hangar pour le moment. Si je trouve une place, ouais, il y a de la place là. Parfait. Nickel, ça c'est fait. Ensuite, bon bah, on va changer un petit peu, on va ramasser les amis. On va prendre le Massey Ferguson. Alors ça, je m'en doutais. J'allais rester coincé, ça c'était sûr de nouveau. Voilà. Là, ça va passer. Ok, nickel. On va mettre du gasoil. De préférence, on va se mettre du fuel. Parce que là, je commence à être un peu de limite niveau gasoil avec celui-là. Hop. Alors, on va vite fait prendre ça. Voilà. Ok, nickel. Donc là, on va commencer un petit peu à ramasser. Et je pense qu'on va terminer le premier champ. Et le deuxième champ, ben, je le ferai hors vidéo. Et puis pour le prochain épisode, on va voir où on en est. On va se faire un épisode où on va sûrement... Oh putain, 920 000 euros, c'est tout ce qui me reste. Waouh. Bon, il va falloir ajouter un peu de sous, je pense, là. Ou peut-être que dans le prochain épisode, pour changer, on va faire un peu de vente. Pour se faire un peu d'argent, tiens. On va faire de la vente. Putain, le gasoil, il vaut cher, n'empêche. Waouh. On va se faire un peu de vente, histoire de se faire un peu de sous. Alors, non, voilà niveau 2. Nickel. Bon, l'autochargeuse, elle se remplit comme toujours. Ouais, on va se faire un peu de vente histoire de se rentrer un peu d'argent. Parce que c'est vrai que moi je stocke toujours, toujours, toujours et toujours. C'est vrai qu'à un moment donné, ça serait peut-être pas mal de vendre aussi. Même s'il n'y a pas de forte demande, ça fait rien. On prendra le camion pour changer. Et puis on ira vendre. Voilà. Parce que faudra qu'on... Bah attendez voir, on va jeter un oeil. Hop. Où est-ce qu'il est mon bordel? Là, voilà. Alors attendez voir, je vais me replacer correctement. Qu'est-ce qu'il nous dit? 94 000 de blé, 106 d'orge. Merde. Hop. 15 de colza, 41 de maïs, 15 de betterave, enfin 22 de betterave, 15 de patate, 36 de tournesol. Paille, on a. Ouf, putain, de la paille, on en a là, attends voir. Attends. Ouais, de la paille, on a de quoi faire. Pour l'instant, de la paille, on n'est pas trop mal. Herbe, on est aussi à 545. Ouais, ça va, c'est pas trop trop mal, j'ai envie de dire. On n'a pas non plus énormément à vendre. Mais bon, on va déjà se débrouiller. On va déjà faire quelque chose. Ça, on sera tranquille. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Hop là. Donc, je vais même pas réussir à faire un tour complet. Je pense que ça va être plein. Bon, cela dit, on va pas se plaindre. Non! C'est ça que je voulais faire. Ok. Mettre un peu les lumières quand même, parce que je trouve qu'il fait vraiment... Ah ouais, je me suis même pas vu toutes les LED qu'il y a sur la classe cargo. Parce que c'est vrai que là, ça commence à être un peu sombre. Et vu que j'ai mis un mode justement pour pas que ça pourrisse, j'ai pas trop envie de le brusquer, on va dire, parce que j'ai un peu peur. Parce que comme on dit, sait-on jamais. Si c'est pour avoir des soucis techniques de nouveau... Et que tout pourrisse, ça m'intéresse pas trop. Donc c'est pour ça que ouais, dans le prochain épisode, on va sûrement se faire du transport. On va quand même vendre, hein, ça rapportera ce que ça rapportera. Et puis si jamais, ben il faut... Ah ben non, faut pas que je vende tout. Hein. Faut pas que je vende le blé. Faut pas que je vende de betterave non plus. Parce que les cochons, ils en ont besoin. Oh putain, ouais. On vendra peut-être un petit peu ce qui est colza et tout ça. Et puis on commencera à voir ce qu'il faut comme matériel. Pour... Bah pour les autres bâtiments, hein, tout simplement. On va se faire sûrement un truc comme ça.
Et puis, si jamais on manque de sous, on en rajoutera un petit peu et puis c'est terminé. Comme ça, on se fait pas trop chier. Ouais. On va faire un truc comme ça. Parfait. Oh bah si, je pensais pas que j'arriverais à faire un tour, mais finalement... Allez, c'est parti. Finalement, j'aurais quand même fait un beau tour. Alors là, c'est vraiment dommage qu'on voit pas l'état. Allez, recule. Oh, qu'est-ce qu'il est long à reculer celui-là. Allez, c'est parti. Stocke-moi tout ça. Stocke-moi tout ça. On va le remettre en route. Ok, niveau 2. Bon, tant qu'à faire, vu qu'on est tout droit sur une ligne. On va prendre cette ligne. On a l'impression qu'on a vu intérieur, on n'avance pas quoi. Ou c'est moi. Wow. Ça doit peut-être être moi. Ça fait rien. Donc ouais, pour résumer un petit peu de tout ce qu'on a parlé là dans cette vidéo, c'est vrai que je vais vraiment reprendre un petit peu les autres jeux de simulation que j'ai sur mon PC. Comme ça, ça fera un petit peu de changement, ça sera pas mal, moi je trouve. Puis après, c'est sûr qu'il y a des jeux qui plairont pas forcément à tout le monde, hein, ça j'en suis totalement conscient. Mais après, comme dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et moi, je veux pas non plus faire uniquement du farming, être dégoûté, ne plus en faire après. Je préfère varier, comme je vous ai déjà souvent expliqué. Je préfère varier les plaisirs, on va dire. Donc après, c'est pareil. Je vais voir quand est-ce que je vais refaire à nouveau un petit live. Je sais pas si pendant la semaine, de toute façon, mercredi, c'est foutu. Je peux de nouveau pas. Un jeudi non plus. Peut-être mardi, je sais pas, faut que je regarde. Faut que je regarde. De toute façon, vous serez tenu au courant sur Facebook. Comme toujours, un, deux, trois. Vous serez toujours tenu sur Facebook des actualités, on va dire. Hein. Après, comme j'ai dit dans la Aide Luton, je suis encore désolé par rapport au bug de où Franck et Célian, vous ne les entendiez pas. Mais comme dit, vous pourrez remercier Célian qui est nouveau bidouillé dans les réglages de mon ordi et qui m'a tout foutu en l'air. Mais bon, maintenant, comme dit, j'ai trouvé, donc il n'y a plus de problème. Maintenant, on sera tranquille, il n'y aura plus de soucis. Tout sera ok, tout sera opérationnel. Et puis, je vais nouveau faire aussi avec mon PC portable. Je vais voir, je vais peut-être nouveau cet après-midi me faire une ou deux, peut-être deux vidéos de farming version console également. Comme ça, j'en aurai nouveau en stock et on va continuer un petit peu ce qu'on a commencé sur farming hein, version console. Tout simplement. Donc, c'est pour ça que. C'est pour ça que je vais tourner ça après. Et vu que le PC portable ne chauffe plus parce que j'ai un super refroidissement. Merde alors. J'ai un super refroidissement pour PC portable. Donc maintenant il n'y aura plus de problème, il ne refroidit plus. Non, il refroidit très bien, pardon, et chauffe plus. Vu qu'on est à fin d'année. Vu qu'on arrive bientôt fin d'année, il va aussi également y avoir la vidéo setup hein, de mon matériel. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, il y aura la vidéo setup avec mon matériel déjà présent, avec les améliorations qu'il y aura par la suite. Voilà, ça c'est quelque chose qui se dit aussi, hein, naturellement. Ouais, ça va aussi arriver, je pense, dans pas longtemps. La vidéo annonce FAQ aussi, va pas tarder à venir, parce que là on va avoir du boulot. Putain c'est magnifique ça. J'ai réussi à finir, parfait. La vidéo FAQ, elle ne va vraiment pas tarder à arriver sur la chaîne, hein. Ça y a pas de problème. Je pense qu'elle va venir, là on est lundi, elle va arriver au courant de la semaine, là, la vidéo annonce. Donc je vous expliquerai tout ça, je vais la tourner de toute façon cet après-midi, comme j'ai pas mal de vidéos à tourner là. Je vais tourner tout ça cet après-midi tranquillement. Hop, niveau 2, parfait. Comme ça, vous pourrez y aller, poser vos questions. Et puis, on pourra se faire un petit truc sur plusieurs jeux. Alors après, je vais voir peut-être que la première partie, on la fera que sur du farming, tout simplement. Avec toute l'équipe. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'embête un petit peu... C'est que moi, la faire sur plusieurs jeux, ça ne me dérange pas. Ça me fait juste un peu plus de boulot au montage. Mais après, ça, c'est pas grave. Ce qui me fait un petit peu chier, c'est que sur d'autres jeux, tout simplement,
mon équipe sera pas avec moi en train de jouer, quoi. Mais bon, après, je veux dire, ils répondront aux questions, etc., etc. Parce que le plus dur, ça va pas être de faire la vidéo, hein. Le plus dur, ça va être de réussir à réunir tout le monde. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va s'occuper de tourner ça un samedi. Ça fera deux grosses vidéos, je pense. Où je les fractionnerai peut-être en trois, on verra. Mais par contre, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que on fera ça un samedi parce que je veux vraiment avoir tout le monde. Je veux pas faire la FAQ s'il manque quelqu'un parce que ça ferait un peu chier le monde, on va dire. Donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Tout simplement. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, nous, on va finir de ramasser ça ensemble. Et puis ensuite, on se laissera là pour cet épisode numéro 13. Comme dit, vous êtes déjà un petit peu au courant de ce qui va se passer dans le prochain épisode, hein, ce que je vous l'ai dit. Ouais, je vous ai dit ce qui se passera. La ferme des anciens va aussi reprendre cet après-midi. Il va se passer aussi de bons petits trucs dedans. Ma série paysagiste également va reprendre. Comme ça, on sera tranquille. On sera tranquille. Voilà, parfait. Voilà, nickel chrome. Oh là là, tourne. Putain, il braque pas trop bien ce massé, hein. Ah, excusez-moi, j'ai reçu un email, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu le bruit du téléphone. Ouais, donc cet après-midi, les deux PC vont avoir du montage à faire, surtout le petit HP. Donc, je vous parlerai du refroidissement que j'ai acheté quand je ferai la vidéo setup, parce que je pense que pour les PC portables, ça pourra vraiment vous soulager la vie. Parce que vous pouvez vraiment, moi je me souviens toujours, c'est ma mère qui l'a gardé. J'avais acheté un refroidissement, c'était vraiment une merde. C'était un tout petit ventilateur, mais de merde, hein, franchement. Ça refroidissait quand même, mais là, comparé à celui que j'ai acheté, qui franchement dit pour allonger votre durée de vie de votre PC portable, vos 5, moi je l'ai payé 52 euros. Franchement, ça m'a fait gagner presque 14 degrés au montage vidéo sur le PC portable. Ça optimise les performances. Si votre PC chauffe moins, bah automatiquement il va pouvoir tourner à plus haute fréquence. Et qui dit plus haute fréquence dit plus de performance. Voilà, tout est lié en fait, hein. Plus votre ordinateur va chauffer, moins haut il va tourner dans les fréquences et plus vous allez ramer ou autre, etc. Donc c'est pour ça que un bon refroidissement, c'est ce que je dis toujours, c'est essentiel. Hop là. Ça paraît banal parce que j'ai souvent des personnes qui m'ont parlé, avec qui je discutais sur Facebook, qui m'ont dit ouais, mais si un PC portable est vendu comme ça, c'est qu'il est censé fonctionner comme ça. Alors moi j'ai dit, mais naturellement, ton PC il va fonctionner comme il a été vendu, ça c'est logique. Mais après, dans la durée de vie, un PC que tu vas laisser comme ça chauffer à mort et puis pas vraiment faire attention, j'ai dit hop, c'est bon, c'est allumé. J'ai dit, bah niveau durée de vie, tu vas en baver, hein. J'ai dit, il tiendra beaucoup moins longtemps qu'un ordinateur qui a été tout de suite, dès les quelques premiers mois, tout de suite pris en main et soigné, on va dire, hein. C'est comme tout, hein. Achetez une voiture neuve, ne faites jamais de vidange, roulez tout le temps dedans, ne la lavez jamais, ne faites jamais de vidange, bah, votre voiture, elle tiendra pas excessivement longtemps dans le temps. Oui, donc re les amis, désolé, on change d'équipement juste pour la fin de cette vidéo. Parce que tout simplement, je viens de me payer un souci technique. J'ai eu un retour Windows, ça m'a coupé frappe. C'est en fait, quand j'ai eu le retour Windows, j'ai pu penser que tout simplement j'avais le régulateur de vitesse. Donc j'ai mon Massey Ferguson qui s'est planté. Comme vous pouvez le voir, il est planté là-bas. Et il est sur une bagnole. Donc c'est pour ça que j'ai changé d'équipement. Pour que la voiture elle foute le camp, que je puisse de nouveau reculer avec. Voilà. Donc j'étais en train de dire avant que j'ai le retour Windows, c'est comme si vous avez une voiture que vous laissez crever, moi c'est toujours pareil. La durée de vie ne sera pas aussi élevée. Ah bah je crois que je vais pouvoir le reprendre. La voiture s'est barrée. Hop là. Attendez voir où est-ce qu'il est mon ce con. Voilà. Allez, recule maintenant, fais pas ton casse-couille, tu recules. Voilà. Pour ça, j'ai volontairement monté dans un autre tracteur pour que justement ça, la voiture, elle parte d'elle-même. Je me suis dit comme ça, au moins, on sera pas emmerdé. Bon, plus qu'une ligne et demie. Puis, on a terminé ce champ-là, les amis. On aura bien avancé de nouveau.
Que vous voyez, si je voulais, je pourrais faucher là. Là-bas en face, il y a un grand champ. Mais j'ai volontairement mis ces deux champs, histoire de pas avoir besoin de faucher 50 000 petits champs. Voilà. On va finir ça. Et puis ensuite, je vais vous laisser là pour cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite, comme toujours. Voilà, alors attends. Hop. On va les vider. Et puis ça sera la fin. Donc sinon, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien éclaté, mis à part ce petit souci technique de retour Windows. Je suis encore désolé les amis, mais ça arrive. Pas vraiment faire comme on veut, malheureusement. Allez, recule. Putain, qu'est-ce que t'es lent, toi. Voilà. Ok. Eh ben écoutez les amis, nous on va se laisser là. N'hésitez pas à aimer la vidéo. Ou si vous n'aimez pas, de mettre un pouce rouge, mais d'expliquer pourquoi. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut tout le monde.